C'est une grande aventure que nous propose ce livre, qui n'a rien à envier au blockbuster hollywoodien. Le parcours de vie de Tenzin, dont la biographie est racontée ici, est simplement époustouflant. Par l'humanité et le réalisme des tableaux racontant sa vie, par la multitude des péripéties auxquelles il doit se confronter, par la manière dont son histoire nous parvient. D'entrée, nous apprenons que pour des raisons de sécurité, aucun nom de personne ou de lieu n'est vrai, pas même celui du personnage principal, ni celui du biographe. Ensuite que, pour les mêmes motifs, la construction du texte s'est réalisée clandestinement via des traductions successives du tibétain en chinois, puis en anglais, et dans l'autre sens pour relecture, pour enfin nous parvenir en français. Alors je vois déjà les plus impétueux d'entre vous imaginer des scènes apocalyptiques de combats d'arts martiaux entre moines Shaolin. Vous risquez d'être déçus. Ce livre, plus proche de la série Kung Fu avec David Carradine, retrace la recherche de l'illumination d'un moine bouddhiste qui, par une inaliénable intégrité, poursuivra sa quête de vérité jusqu'au point de non-retour, sa conversion au christianisme. À bien y regarder, ce récit ne comporte pas une multitude de détails. Malgré tout, il est très facile de se représenter les scènes. C'est très déconcertant, car l'auteur réussit la prouesse de nous transmettre les émotions, la culture, les raisonnements de Tenzin, alors que pourtant, nos modes de vie sont radicalement différents. Une histoire captivante, qui résonne en nous comme le Om des mantras et nous entraîne, à la suite de Tenzin, de la découverte de la vie des moines tibétains à la révélation du Dieu de l'Évangile.